Et tu veux que je te dise quelque chose? Ouais. J'ai rencontré le maire. Le maire de Mykonos? Absolument. Oui. Alors, et lui, il est cool? Il est très sympa. Je le connaissais, on s'était déjà vu une fois, mais là, on s'est vraiment parlé. Non, c'est pareil. Vous êtes la Ken? Non, je crois que je. Non, pas du tout. Non, je crois pas que. Assez bizarrement, le maire n'est pas gay. Non. C'est marrant, il m'a dit viens quand, Nouna? Non, c'est pas vrai. Parce que vous avez annoncé que vous allez venir. Non, ah, vraiment? Le maire de Mykonos maintenant? Et je lui dis, mais vous découvrez quoi, Kanouna ne tient pas ses promesses? Ah ouais. Bah tu vois, je vais la tenir pour toi. Je t'avais promis quelque chose. Il était déçu. Tu vois. Non, c'est vrai. Non, mais nous connaît le maire de Mykonos? Comment il s'appelle? Dominique Busseau. C'est un français. Il a 37 ans. Dominique Busseau? Mais non, Busseau. Être maire de Mykonos en français. Non, parce que là, je me suis dit, là, quand même, c'est quand même le comble. Non, mais c'est vrai, Dominique Busseau, maire de Mykonos. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est vous, c'est comme si. Pas quelqu'un dans ta vie? Mais oui, il n'est pas célibataire. Alors, il n'a pas quelqu'un dans sa vie. Ah bon? Il a souvent quelqu'un ailleurs, mais pas dans sa vie. Non, il a. T'as quelqu'un dans ta vie? Mais non, il n'est plus en couple. Ah bon? C'est fini. Couple, hein. Ah merde, vous avez une info? T'es en couple. Non, mais je. Ah, parce que quand même, parce que là, t'as quand même fait quelques révélations. Bah oui, oui. J'inquiète pas, lui, quoi. Sur Mimicé. Je suis avec quelqu'un qui a été, je dirais, extrêmement. Compréhensoire. Et participatif. Ah oui, c'est lui qui éteignait la lumière. Non. On l'appelle. À Mykonos, on l'appelle l'interrupteur. S'il te plaît, l'interrupteur, tu peux venir dans quelques minutes. Merci. Non mais c'est vrai, non mais c'est fou ça. Ah oui. Ah mais il est comme ça, il ferme les yeux. T'as coupé le livre. C'est quoi ces mots là? Si ça c'est pas libre. Mais non, ça se passait à plusieurs. Non mais alors, c'est un couple libre, je suis désolé. À plusieurs, c'est un couple libre. Ah oui, désolé. Bien sûr que si. Plusieurs, t'es libre. Ah oui. Ça s'appelle supervisionné. Pas du tout, non. Ah parce que toi aussi tu. Ça s'appelle pas du tout supervisionné, ça s'appelle juste partouzer, excusez-moi. Faut appeler un chat. C'est un point de vue. Ouais, bien sûr. Tu vas voir. Alors, t'as passé des bonnes vacances? J'ai passé des super vacances. Tout heureux là. Et figure-toi que ce sera ma dernière info et je vous laisse. Parce que toi, en fait, t'es juste venu pour raconter les vacances, tu te vas après. T'es garé en double fil. Je vous laisse raconter les vôtres parce que j'ai hâte d'entendre, mais moi j'ai pas. Oh bah t'inquiète pas, c'est pas ouf. Hein. Et le maire m'a demandé aux prochaines élections municipales d'être sur la liste. Non, mais t'as le droit? Le Mykonos. Oui, jure. Alors on s'en fout, indépendant gay, je sais pas ce que je ferais. Voilà. C'est génial. Mais ça fait faire des allers-retours, ça m'intéresse quand même. Tu vois, ça me tente parce que la politique, t'as vu, je suis impliqué, t'as vu l'année dernière, je parlais bien de ça. Quelle serait ta première mesure pour Mykonos? Alors, moins de femmes sur l'île, parce que cette année, vous avez Lesbos. Cette année, il y avait beaucoup de femmes et ça prend beaucoup de place à, sur l'île. Tu sais que c'est une île où il y a à peu près 3000 habitants à l'année et 400 000 l'été. Et cette année, il y avait à peu près 150 000 femmes et je reconnais que c'était beaucoup. C'est un taré. 150 000 sur 400 000, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'elles y font là-bas, en fait? Vu les loisirs locaux, qu'est-ce qu'elles y font? Les loisirs locaux et autres, tu vas pas là-bas que pour... Non, c'est vrai, il y a de très belles plages. Non, mais c'est vrai. Après, là-bas, c'est vrai que tu vas moins cueillir. Tu vas moins chercher des coquillages. Faut pas se pencher. T'as longtemps pas, Cyril? Non. Non, mais pas pour d'aller à Mykonos une fois. Pour le moment. On verra. On a une belle route à faire ensemble. Pour l'instant, on reste chacun chez soi et les moutons sont bien. Gardez. Continue à tout péter. N'hésitez pas.